Ok, je vous parle un peu d'actualité. Voilà, la Russie a envahi l'Ukraine, ça on a vu. Et on a vu aussi que Macron, il a envoyé un tweet pour demander à Poutine, il faut arrêter immédiatement. Ça, c'est drôle. Ça, c'est... Il a envoyé un tweet. Ça fait 2 ans qu'il demande aux Français de se vacciner, il y en a 6 millions qui lui rigolent à la gueule. Et lui, il veut arrêter une guerre avec un tweet. Moi, j'ai regardé, j'ai cherché. Poutine, il n'a pas Twitter. Macron, c'est quand même le mec qui s'est mangé une claque par un fan de Kaamelott. Et il est allé voir Poutine et lui a dit, si vous avez regardé, vous avez eu sur la table, il a dit, Monsieur Poutine, je veux être ferme. C'est sûr, Poutine, il l'a regardé en disant, ferme, c'est-à-dire comme la main que vous avez reçue dans le visage. Il y a Pécresse qui s'y est mise aussi. Pécresse, elle a dit, moi, je vais dire stop! Je vais dire stop à Poutine, stop! Elle se prend pour un panneau de signalisation, la meuf. Elle croit que Poutine, c'est une Clio 2, qui va s'arrêter, qui va dire, je ne veux pas perdre 4 points. Il y a Pécresse qui est sur mes côtes. Mais il y a Zemmour aussi qui est un peu dégoûté. Zemmour, il est un peu... Zemmour, il est dégoûté. Lui, il n'a qu'un seul souhait, c'est qu'on continue de parler de l'islam. Et ça l'arrange pas trop parce qu'en ce moment, il avait des idées un peu bizarres. Zemmour, il n'y a pas longtemps, il a décidé de construire un mur tout autour de l'Europe. Ouais, pour stopper l'immigration. Et à chaque frontière des pays européens. Vous avez vu ça? Pour stopper l'immigration. Vous savez qui est-ce qui a construit les murs pendant 60 ans en France? C'est l'immigration. Ouais. Les Noirs et les Arabes. Et donc, pour arrêter les Noirs et les Arabes, il va faire venir des Noirs et des Arabes pour construire un mur. Il se passe quoi au dernier coup de spatule? Tu sais? Le mec, il est là. Bah, je crois qu'on a fini, Mohamed. Maintenant, il faut aller de l'autre côté du mur, non? Et il est porteur le mur en plus là. On aurait dû faire une porte, non? Je crois que je vais faire une demande de logement social, hein.